Le bâtiment que vous apercevez n'est pas une nouvelle habitation en construction, mais c'est plutôt l'œuvre d'une GIE de femmes au village de Kubana. Ces GIE, comment s'appelle-t-elle? Ces débuts, et qu'est-ce qu'elles font ces femmes ici? Nous essayons d'entrer en contact avec elles. Reportage. Aujourd'hui, nous sommes ici, au sein de ce GIE de femmes à Kubanao. Nous vous rendons visite dans le cadre de l'animation du bloc du lycée. Alors, bonsoir ici. Bonsoir. Alors, nous sommes du lycée de Kubanao. Nous passons aujourd'hui pour vous rencontrer et essayer de voir qu'est-ce que vous faites ici dans le GIE. Alors, peut-être vous présenter avant. Qui êtes-vous? C'est la présidente. C'est qui la présidente? Voilà, c'est la présidente qui va parler. Et nous aurons la traduction avec notre interlocuteur qui est là. Alors, comment vous vous appelez? Fatou Djemme. Fatou Djemme. Oui. Fatou Djemme, vous habitez où? Nana Wadi. Kubano. Kubano, quel quartier? Kubano Ba. Kubano Ba. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça veut dire? Je suis venu pour travailler. Je travaille directement. Je suis venu pour travailler. Vous êtes venu pour travailler ici? Oui. Et vous travaillez quoi ici? En batique. Vous faites des travaux de batique. Alors, comment vous avez commencé ces travaux de batique? Vous êtes regroupé au sein d'un GIE ou bien? Vous dites au moins, non, mais association formée, mais GIE, mais groupe. GIE. C'est en GIE. Comment a eu lieu le vote de GIE? Vous dites que non, mais il a commencé à faire beaucoup de mal, beaucoup de mal, car on a quand même dit du mal GIE. C'était des parents d'élèves différents dans son assemblée. C'est le CETEF, l'association des parents d'élèves du CETEF, oui, qui ont eu l'idée de créer ce GIE. Oui. Alors, c'était des femmes seulement ou bien avec des hommes aussi? Les femmes seulement. Non, je n'ai pas commencé, mais je n'ai pas commencé. Le début, il y avait des hommes. Puisque les parents d'élèves étaient composés d'hommes et de femmes. Mais finalement, au fur et à mesure, les hommes ne s'étaient pas intéressés. Et aujourd'hui, vous travaillez, vous êtes à combien le nombre de femmes qui sont là? Nous connaissons tout le monde.
fone kabanan dungen di ekol. On est un nombre de 31 personnes. 31 femmes qui travaillent ici. Et quel est le nom du GIE aujourd'hui? Le nom du GIE. Diragal, Diroka, Escola. Diragal, Diroka, Escola. Escola. Ça, c'est Angola. Ça veut dire quoi? C'est fournir des efforts pour le développement du village. Fournir des efforts pour le développement du village. Est-ce que le GIE, c'est seulement les femmes de Kubana? C'est tout le village. Parce qu'en général, le pays est composé des femmes du village. Chaque quartier est représenté légalement. Il n'y a pas des autres villages comme Sintio, Kachou? Jusqu'à Sagang et Numbati, il y en a. Il n'y a pas. Les villages environnants, il n'y a pas. Mm-hmm. Alors, comment vous avez commencé avec ce GIE? Quand on était à l'atelier de 17h, on a jugé nécessaire de valider ces 3 élèves. On a dit qu'on va former une association, que chacun donne une petite participation pour le démarrage des activités. Après, on a cherché des gens qui viennent nous former à chaque fois. Et au début, vous avez cotisé combien? 5 000 par tête. 5 000 par tête. Vous avez payé vos produits et vous avez démarré vos activités. Moi, je n'ai pas eu de salaire. Tout a été payé par le salaire.